Voilà, avant de commencer, je vous invite à consulter le petit folder que vous avez reçu. En dernière page, ceux qui n'en ont pas, demandez à votre voisin de vous prêter quelques instants. En dernière page, vous avez les dates à retenir concernant les représentations théâtrales dans la région. Je me permets simplement d'en citer deux, parce que je les ai oubliés la semaine dernière. La troupe de Haar, qui joue en Wallon, et qui aura ses représentations au mois de mars. Et puis les troupes d'Izé, je dis les troupes parce que Izé, ils ont une troupe qui joue en français et une qui joue en Wallon. Et vous savez, si vous ne le savez pas, leur salle a été détruite par un incendie. Donc pour la troupe en français, ils seront accueillis à Wiris et à Ferrières en février. Et pour la troupe en Wallon, nous aurons le plaisir de le recevoir ici à la salle de Beauchavannes courant mars et fin mars. Voilà, je vous invite donc à aller les applaudir également. Voilà, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. Bonjour papy. Ah, bonsoir Léa. Tu sais, je suis occupé, je dois présenter la pièce qu'on va jouer ce soir. Que veux-tu? Ah, tu veux peut-être un ticket boisson? Merci papy, j'irai chercher à boire à l'entracte. Mais alors je veux bien un deuxième ticket, parce qu'il y aura deux entractes. Et j'en veux bien encore deux autres, parce que j'ai trouvé une autre copine. Oh. Bon bien voilà, voilà tes tickets. Astur, va t'asseoir. Hein? Merci papy. Non, non Léa, va plutôt t'asseoir dans la salle. Non papy, c'est mamie qui m'a dit que je vienne faire la présentation avec toi pour faire rire un peu les gens. Je ne suis pas ici pour faire rire les gens, mais pour dire comment va se dérouler la soirée. Je crois que mamie avait raison. C'est pas du prendre comme ça que tu vas le faire. Léa, les gens ne sont pas ici pour rire, mais pour écouter. Oh là là, papy, t'as rien compris. Les gens qui viennent déjà, c'est pour s'amuser. Oui, mais cette année, c'est une pièce sérieuse. Et je ne suis pas sûr que les gens vont beaucoup rigoler. Papy, t'as rien compris à l'histoire. Bien sûr que si, que c'est comique. Oui, mais cette année, on parle quand même beaucoup de maladies. De l'hypertension, de la goutte, et même aussi du cancer. Et alors, c'est pas la raison pour ne pas en rire? Oui, mais ça m'embête quand même un peu, parce que si dans la salle, il y a des gens qui sont concernés par la maladie, ça risque peut-être de les choquer. Il faut vraiment tout expliquer, tu sais. Justement, c'est quand on est touché par quelque chose, que ça fait le plus de pas plaisir sur la santé. C'est quand pour les personnes qui ont un handicap, ils aiment qu'on en parle franchement, et même qu'on rit avec eux, plutôt de le regarder en coin. Oui, mais moi je te rends quand même que c'est un sujet sérieux. Hein? Mais papy, dans toutes les pièces, le sujet est sérieux. Donc d'après toi, on peut dire de tout? Moi je trouve que oui, tout dépend de la façon dont on le fait. Dans la pièce de l'enfant, le mec, il a perdu son boulot, il était ruiné au bord du divorce, il en faisait un merde pas possible, et pourtant ça faisait rire tout le monde. Léa, on dit ennui, pas en merde. Oufti papy, t'es pas au bout du jour. C'est un peu... Ah, c'est bien que tu parles d'Aznavour, parce que l'auteur a mis une chanson d'Aznavour dans son texte. Et il fait aussi référence à deux, trois personnages de Jean Nouille. Jean Nouille, c'est un monsieur qui écrit aussi beaucoup des pièces. Et il fait quelques clins d'œil à des humoristes célèbres, comme Raymond Devos, Bourville, Fernand Reynaud, Renaud Rutel et Freddy Frinton. Papy, je pense que clin d'œil, au pluriel, ça se dit clin d'œil, pas clin d'œil. Clin d'œil, il n'y aura plus rien. T'es sûr? Mais oui, fais un clin d'œil pour moi. C'est en deuxième. Voilà, t'as fait deux clins d'œil. Moi, tu fais un clin d'œil. Tu comprends la différence? Léa, je ne suis pas ici pour que les gens se moquent de moi. Je suis ici pour présenter la pièce qui s'appelle... Le mur! Ah oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on y parle d'autre, là, dans la pièce, autre chose que les maladies qu'on vient de citer? De l'incommunicabilité, qui peut, au fil du temps, s'instaurer entre les êtres humains en général, mais surtout au sein du couple. Ah, j'ai rien compris, là. Hein? Tu m'étonnes, bon, c'est l'histoire de vieux couples, dont le mari et la femme se détestent. Ils se détestent tellement que pour ne plus se voir, ils ont construit un mur au milieu de leur appartement. Ah, écoute, moi, je n'ai pas vu de mur, hein. C'est normal, papy, tu n'as rien compris. C'est un mur fictif. Au diable, une équilibration. Si on construit un mur au milieu de la scène, les gens qui sont à gauche ne verront pas à droite et vice versa. Donc c'est bien ce que je dis, il n'y a pas de mur. Si, il y en a un, mais on ne le voit pas. On fait semblant qu'il y en a un. La scène est coupée en deux. Comme s'il y avait un mur au milieu et on ne s'est pas passé d'un côté à l'autre. C'est bien compliqué tout ça. Mais non, c'est toi qui compliques toujours tout. Bon,
Et tu es sûr que le public, lui, va comprendre? Mais oui, ils sont plus malins que toi. Va les ouvrir le rideau. Je suis sûr que le public va déjà comprendre avant que l'histoire. Oui, mais avant ça, il faut quand même que j'explique. Je sais déjà ce que tu vas dire. Faut faire toutes les recommandations comme et des emojis saines. Ne fumez pas dans la salle. Il y aura deux entr'actes. Il y aura à boire et manger, etc. Oui, mais c'est quand même important de le dire. Mais papy, les gens qui viennent de là ne savent rien, hein, tout ça. La seule chose qu'il faut annoncer, c'est que le troisième acte se joue en deux tableaux. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au milieu du troisième acte, le rideau va se fermer pendant quelques secondes, il n'y aura pas d'entr'acte, parce que l'histoire n'a pas de suite. Encore quelque chose de compliqué. Mais non, c'est toi qui compliques toujours tout. Bon. Mais si c'est pas sûr, il n'aura qu'à crier beaucoup quand ce sera l'entr'acte. 15 minutes d'entr'acte. Ah, j'aime mieux ça. Bon, est-ce qu'on a tout dit? Oui, on a tout dit. Bonne soirée à tous et bon amusement à Tourteau.
continue, l'eau va pisser sur la bassine du dessous et puis après sur les abricots du ré. Est-ce qu'il ne faudrait pas appeler planter? Ben va, avec une vieille baraque comme ici, il vaudrait mieux qu'il habite ici. Ben vous n'avez qu'à buissonner pour lui dire. Quoi qu'il vienne vivre ici? Mon Dieu. En attendant, retournez toujours chez lui pour décrocher quand je vais sonner. Chez le plombier? Mais vous le faites exprès ou quoi? Mais à mon mari, il a une autre chose. Il est aussi. Qui est là? C'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a plein de petites ruches dans la salle de bain. Le mur est tout fraîche. Et vous allez bien vite entendre le locataire du dessous. Sans compter que si ça continue, l'eau va pisser sur la bassine du dessous. Et puis après sur les amoureux du ré. Est-ce qu'il ne faudrait pas appeler le plombier? Ben va, avec une vieille baraque comme ici, il faudrait mieux qu'il appelle ici. Si je comprends bien, tout mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que le locataire qui est en dessous est allé raconter par en dessous que l'eau du dessus coule en dessous. Le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Si je méprise celui qui est en dessous, c'est parce qu'il envie l'appartement qui est au-dessus. Remarquez que moi, je glissais très bien mon appartement à celui du dessous, mais à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je ne peux pas au-dessus. Tout d'abord parce que je n'ai pas de sous avec le dessus, et qu'ensuite, au-dessus. Et qu'ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, ben, il n'y a plus d'appartement. Sinon, le locataire qui est en dessous monterait au-dessus, obligeant celui qui est au-dessus à redescendre en dessous. Bon, je sais que c'est une vieille femme. D'autant que, comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Là-dessus, quelqu'un est allé raconter qu'il avait vu la femme du dessous en par-dessus, gratuit, gratuit, avec celui du dessus. Par-dessus le marché, celui du dessus l'a su. Ce qui fait que, un beau jour, la femme du dessous est allée retrouver celui du dessus. Et comme elle retirait ses dessous, et lui, ses dessus, se brisant parce qu'il avait trop chaud en dessous, ça veut dire parce que dans le dessous, on entend que ça se dessus. Bref, celui du dessous pleurait celui du dessus, comme s'il était mis dessus, et elle se sont tapés dessus. Et finalement, c'est celui du dessous qui a eu dessus. Moi aussi. Il dit qu'il va passer vous voir.
Écoute, moi aussi, j'ai des emmerdes et que j'ai pas envie de le voir. Qu'une pièce. Je vous demandais pardon, mais il ne saura pas passer vous voir parce qu'il dit qu'il a des emmerdes aussi. Comment? Ça va, je vais lui dire. Ben, qu'est-ce que je vais dire? Claire, c'est à madame que je vais dire quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous attendez là? Ben, le téléphone, pour ce nom. Bon, puisque vous pouvez aller chez ma femme pour faire la commission de mon fils, ben, vous n'avez qu'à se replonger chez elle. Bien, monsieur. Merci à tout le monde que je vous voilà. Regarde-moi bien si tu veux.
mais en silence. Il pensait que tu m'auras bien vu. Je te dégage ici parce que j'ai du travail, moi. Du travail? Toi? Oui, tu crois bien, oui. Il faut que j'écrive au notaire pour m'assurer que ton père n'essaie pas de me déshériter. Ma petite maman. Ouais, ça commence. Maman, tu me confies ton seul petit garçon. Ça fait 30 ans que j'entends ça. Il semble que tu commences à radoter ce que tu fais. Maman, c'est aussi c'est grave, sais-tu? Non, mais toi, c'est toujours grave de toute façon. Alors tu sais quoi, je vais te donner un truc. Tu fais comme si ça ne l'était pas. S'il y a une solution, ben, tu finiras bien par le trouver. Et s'il n'y a pas de solution, ben, ça sert à rien de faire les cheveux blancs puisqu'il n'y a pas de solution. Bon, allez. Ça va aller. Bonne nuit, Carmen. Mon frère, mon petit maman, je suis sûr que tu veux, au plus profond de ton être, que je sois là. Ce que je voudrais, je te le demande un peu, ce que je voudrais. Les enfants, c'est corrigé. C'est la ramée du père, c'est tout. Mais après, les chats, on ne peut pas les donner. Fais la porte. Tu vas dans la porte dans la gueule.
Comme je vous l'ai dit la fois passée, pour votre cœur, il faut avoir Gaspard. J'y tiens. Pour le cœur, c'est le meilleur de lui. J'y prends cher depuis qu'elle est à la mode, mais c'est le meilleur. Mon Dieu, monsieur Benjamin, qu'est-ce que vous avez fait? Je ne voulais pas venir voir mon père. Il n'est pas à prendre avec des pincettes ces jours-ci. Mais de là vous arranger ainsi, il exagère. Je lui dirai ma manière de penser. En attendant, installez-vous, hein? Je vais lui chercher de la glace. Oh ben ça va? Pour votre toilette est bon. Et vous? Vous avez vu Gaspard, premièrement? J'ai encore mangé avec lui avant-hier, pourquoi? Parce que votre poids, vous n'êtes pas bon. La prochaine fois, vous viendrez à mon cabinet. Crise de goutte ou pas? Je l'en assure. La chiotte, ne vont pas vous chatouiller. Et la nia, vous avez l'air de tripoter à chaque fois que je vous oscule. Et là-haut, comment pouvez-vous juger de mon cœur alors que vous n'avez même pas un nom? Ah ben, j'ai gardé sur la route sur le temps que je m'en ah, et selon vous, cher confrère, j'avais combien? 100 évêques. Vous m'auriez le suivant. Jamais avec un malade. Comptez vous-même. Vous êtes capable de prendre votre coup vous-même. Oui, bien sûr, c'est ce que je fais, oui. Ça va être un peu froid. Bien sûr, il y avait 4 étages, mais d'habitude, ils ne vous font pas cet effet-là. Et puis, d'habitude, vous récupérez beaucoup plus vite. Bon, vous savez ce que vous allez faire. Vous allez rentrer chez vous, vous allez prendre votre ascenseur. Il n'est pas en panne aujourd'hui, non? Parce que moi, chaque fois que je vais chez vous, il est en panne. Bon. Vous allez prendre votre ascenseur, vous vous mettez au lit, et vous demandez à Gaspard de passer vous voir. Vous vous cuivez la sauce, vous allez à l'hôpital le matin. Je ne dérange pas aussi grand médecin, même si c'est un ami, pour un peu de tachycardie. Oh, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est peut-être un symptôme qui cache quelque chose de plus grave. Et c'est pas vous que je dois dire. Philippe, rire, avec. Ça fait du bien? Le froid est étouffe. Ça va vous faire du bien. Mais celui
là, m'arrêtez. Allez, reprenez-moi ma torsion maintenant, docteur. Il y a une grande lienne, ce couchal. C'est bien parce que j'ai pris le serment d'Hippocrate. Une telle scène de violence, je vous la trouverai vraiment belle, dans le fond. C'est une amie, un docteur qui dit qu'il comprend bien. Oui, si vous dites un petit peu toujours moins les malins, et bien on aura un petit peu plus confiance dans votre médecine. Je comprends. Il y a pas 7 minutes, vous aviez 23-12 et moi, j'ai toujours 110. C'est parce que moi, je me suis laissé aller, donc. Alors que vous, vous êtes toujours tendu comme un lard. Il faudrait que vos chercheurs comprennent qu'il faut soigner le mal à la racine. C'est pas de chercheurs qui font des misères aux souris dans les laboratoires qu'on a besoin. C'est des trouveurs, mon monsieur. Monsieur, mais la science et la médecine ont fait beaucoup de progrès. Enfin, vos livres et vos laboratoires, enfin. Vous avez trouvé que j'ai de la goutte de l'hypertension et du diabète, mais vous n'avez toujours pas trouvé pourquoi j'ai envie de boire, de fumer et de manger du sucre. Et si vous ne trouvez pas pour votre prochaine visite, je vous tords votre grâce, c'est compris? Si vous pensez que c'est avec vos couillonnades que vous allez guérir, viens. Non, docteur, vous vous remettez. Petite cigarette, petite non. Chic. Non. Vous avez tort. Ils sont bons, savez-vous. C'est important aussi, savez-vous, le plaisir pour la santé. Allez, donc, faites-moi votre petit papier que je vous paye. Et puis allez bien vite distribuer toutes vos petites pilules. T'étais là, maman ? Oui, depuis un moment. Mais tu ne t'arrêtes pas. Continue à tripoter. Ça va te faire du bien. T'es vraiment le plus tôt au père, cette fois. Bon, ben, moi, je vais te laisser. Je vais aller voir si le docteur n'est pas parti. Envoie une fille, chère. Et puis après, je vais te passer, quoi. Vous voulez que j'y aille, madame ? Non, vous restez ici, je m'en vais, j'ai un c'est urgent. C'est l'écriture de Johanna. Souviens-toi du temps où on jouait au foot, de nos radeuses bleues et blanches, et blablabla, et blablabla. Oui, c'est ça. Je connais la chanson. Encore un qui va venir brimer les sous, et l'autre couille mon à côté, il va lui en donner. Rêve. Encore bien que je suis là. Pardon, on va dans un mot, tiens.
63 ans. Pas très vieux, ça. Monsieur Barclay, là, il va être content. C'était qu'il avait tout sans plus quand même. Pas comme moi. Moi, je me sens en pleine forme. Je vais t'appeler, tous. Il y a juste une chose, en fait. C'est que j'aurais pas aimé que tu jettes dans l'autre à côté, va craquer, là. Maintenant, va. C'est le visage tout à fait idée. Ah, Johanna, tu peux porter le courrier à monsieur, tu veux. Oui, madame. Dites, vous y avez bien mis, vous y avez bien mis, vous lui dire l'appeler. Oui, madame, sur son bureau. Ouais, parce que c'était pour qui. Il dit, c'est le de passer une fois. Quand je vais la faire, ben, il n'en fera rien, c'est bon. Bon, ben, je suis bonne pour le faire moi-même. Comme si j'en avais pas déjà eu assez des trois mières. Bon, maman, je ne termine pas.
sous la maison des dents. Tu veux, à ce jeu-là, tu peux gagner des dames, mais pas les enfants. Et tu peux te donner ton retour, tu veux, de l'autre côté du mur, papa fait la même chose. Mais voilà, avec plus d'asile, vous avez des malheurs de tous dans la main. Remarque, je ne te reproche rien. Bon. On aurait dit bien cette main. La femme est libre et a tous les droits pour assumer son avis. Ça te dérange si je fais le Avant, ça ne te dérangeait pas de fumer devant les autres. Oui, mais maintenant, ça me dérange qu'on ne passe devant moi. Écoute, tu sais, je marche, je ne sais pas. Et puis je suis quand même fatiguée. J'attends le docteur. Alors, si c'est pour me moyer les cons que tu es passé, ben, je peux te dire qu'ils sont déjà faits. Et pour les reproches que tu as à me faire, ben, je les suis déjà faits à moi-même. Bien sûr. Une fois de plus, tu ramènes la situation à ta personne. Et comme tu es fatiguée, tu vas confronter nos sentiments. Ben, tu me connais bien. Oui, enfin. De toute façon, Antoine et moi, il y a le plus bien. Et il me semble que j'ai bien le droit d'être une femme à un moment, non? Avec Antonio, j'attends pas la plénitude. La plénitude? Où suffit? On a beau avoir de la culture, il y a des mots comme ça qu'on oublie, hein? Ça veut dire quoi? Qu'il fait mieux l'amour que ton âme? Tu n'as pas envie de rester pour rien pour personne, maman. Il y a beaucoup plus que tu me crois. Mais revenons à ta plénitude. Tu veux quoi, divorcer et te remarier? Oh, bah, sûrement pas. Quand je fais cette connerie là à nouveau, c'est que je suis sûre de moi. Ah ben parce que tu n'es pas sûre. Bah, tu sais, on se connaît depuis 2 mois, alors. Bah, et Thomas, tu connaissais depuis 2 heures. Ah, mon Dieu. Non, c'est trop bien, la plénitude est adressée. Qu'attends-tu de moi au juste? Que tu parles à Thomas. Tu sais qu'il a toujours eu beaucoup d'admiration pour toi. Et je suis sûre que ça vient de toi et de ma comprendre. Mais... Parlez quoi? Tu veux que je lui parle de la plénitude? Oh, mais pas de toi. Fais comme tu veux. Je t'avais trouvé les noms. Et la petite, celle qui aura la garde? Ah non, je la garde bien sûr. Je suis ta mère. Et je ne veux pas qu'elle ait la connaisse avec qui se mettra. On va déjà cette jeune. Comme je le connais, il croit dans une blonde avec des gros nichons. Ah, je suis une mère, ma fille est à moi et je l'aide. En plus, Antonio adore les enfants. Ah oui? Donc si je comprends bien, c'est la plénitude pour tout le monde, hein? Si tu sais, de toute façon, Thomas ne s'occupe jamais d'elle, il passe sa vie à la caserne. Lucie, tu es ma fille et comme de juste, on vient toujours demander à sa maman. Mais tu es sûre que tu peux la faire des commissions toi-même? T'es une grande fille maintenant! Tu vois, sa plénitude, ça te gêne un petit peu. Non, non, avec moi ce sera dramatique. Puis Thomas est tellement bon, si c'est moi qui lui dis, a tout de suite pensé qu'il est cocu. Ouais, il faut te dégager moi et moi, Christelle. Puis tu sais, il y aura toutes les questions d'argent à régler, la pension alimentaire et tout, toi. Et c'est un gros radin. Tu feras ça beaucoup mieux que moi. Écoute, pour les questions d'argent, tu vois ça que ton fait. Enfin, de toute façon, samedi, moi je pars au week-end dans le temps des copines. Alors tu vois, ça se lève en chambre, ça soit réglé. Tu comprends, c'est mieux pour tout le monde que ça se passe sans drame et sans sommeil. Et t'as tellement de choses pour trouver un monico. Et la petite, c'est moi aussi qui m'a lui dire. Oh, tu sais comment elle est, à cet âge-là, elle vit tout. Et puis, Antonio l'adore, elle le vivant bien. Elle aura 2 papas à la place d'or, parfait. 2 anniversaires, 2 Saint-Nicolas. Qu'est-ce qu'elle peut demander de plus? Allez, moi j'y vais, et là, si encore prendre la mère, je peux prendre des nouvelles. Lucie, tu sais, quand j'étais petite, je t'aimais beaucoup. Enfin, je pensais. Oui, mais j'ai grandi. Et dans cette famille, on ne sait jamais beaucoup des conseils. C'est ton passé, maman. Mon pauvre Thomas. Oui, je suis chaleureuse. Thomas! Procès. Mon cher Thomas. Monsieur, c'est Monsieur Didier, je peux entrer? Faudra bien.
Elle a dû se perdre dans le petit postal de l'autre côté du mur. Si c'est pour grimer, te dis tout de suite que c'est non. J'oublie. Comme de jeu, c'est pour ça, toi. Bah, mets-toi à ma place. Si c'est pas moi qui le fais, ce sera qui? Je te dis tout de suite, pense à toi. Tu es un petit bien égoïste avec la hache. Toi, tu l'as toujours aimé. Déjà, quand même, quand on jouait au foot avec notre grand choc de la rose bleue et blanche, tu l'oublies? Oh, tu ne manques jamais de me le rappeler à chaque fois que tu gagnes, Vivi. Eh oui, parce que pour moi, il y a des choses qui sont sacrées, tu vois. Bon, c'est vrai que je n'ai pas toujours été un sac. D'accord. Je me suis souvent conduit comme un marcoulet. Enfin, ça, c'est comme tout le monde. J'ai trompé mes femmes. Comme tout le monde. J'ai trahi mes amis. Comme tout le monde. J'ai laissé mourir ma mère toute seule parce que j'avais un souper avec des potes. Comme tout le monde. D'ailleurs, je me souviens que c'était les huiles de pâté et le champagne pâté. Enfin bon, passez du passé. Maintenant, j'ai quasi abandonné les enfants que j'aimais avec ma maîtresse. Enfin, ça aussi, c'est comme tout le monde. Mais attendez, ça y est, on sort que j'ai toujours gardé. C'est mon amitié pour toi. C'est ma petite part d'honnêteté. Tu comprends? Souvent, on m'a fait. Je suis là devant la glace, je me regarde et puis je dis, Didier, t'es vraiment de la brute. Mais, bien que je repense à tout ce que j'étais capable de faire pour toi, et je pardonne. T'es trop bon. T'as raison, je suis trop bon. Quand je te dis, prends l'occasion de te plaindre de toi. Et je ne comprends pas non le pas où tu m'as laissé tomber. Chaque fois que je t'en voulais, je me disais, bon, allez, Didier. Didier, allez. Mon ami, quand on s'est connu dans l'équipe des cadets de l'équipe de foot. Oui, on avait des grands shorts et des barbeuses bleues blanches. Tout juste. Et chaque fois que je t'ai pardonné, c'est une affaire. Ça, c'est mon petit tas d'honnêteté. Tu vois, ma petite tas. C'est un peu comme un petit capital qui est là, tu vois, qui dort et qu'on ne veut pas l'eau tout du monde. Oui, un petit capital qui dort, mais sur lequel on peut toujours aller entre crimes. Bon. Monsieur, c'est bizarre. Faut toujours que tu ramènes ça à la jambe. C'est peut-être parce qu'on m'en parle tous les jours. Et avec toutes les commissions, les rétro-commissions sur le dos des joueurs que tu volais qui sont abominables. Hein? Et si je peux me le dire, hein, si tu pas respecté le nom. Si je comprends bien, ce sont ces commissions-là qui me font avoir des poires. Oh. C'est une façon de voir les choses, tiens. Il n'y a pas 300 de voix. Tu ramasses de la joie. Et moi, je suis là, je tire le diable par la queue. Entre amis, c'est la justice que tu devais réparer, non? Allez, ben, c'est un du cœur, en fait. Qu'est-ce que c'est qui a rendu pour toi? Oh! L'euro! Tu me disais aussi. Fils grosse que t'es. Tu peux même pas me dire que t'as 40 000 euros près, non? Je me noie. Tu entends? Ton meilleur ami se noie. Et c'est pas parce que cette fois-ci j'ai trop voyagé ou j'ai perdu le casino. Non, cette fois-ci c'est pour une raison bien plus bonne. Je vais me marier. Ah, c'est pas cette femme, ma vie. Celle-ci aussi. Oui, bon, ça va, je sais, on va faire mon mari, c'est la quatrième fois, mais qu'est-ce que tu veux? Bon, tout le monde peut se tromper, non? Mais pas si souvent. Je n'en peux rien, les deux. Le sang, ça change sur moi. Mais bon. C'est dégueulasse, papa, de chaque fois que je vais se souvenir. C'est franchement, t'as beau, t'es vraiment cassandé. T'as beau, t'es là que je vois que tu es en train de noyer là, et qu'est-ce que tu fais? Tu me tiens la tête sous l'eau. T'as beau. Des glou-glou de la distance vont perdre ton temps en mangeant du sucre. Des mauvais pour mon diabète. Elle a les aliments qui viennent. T'as trop de sucre? Oui. Mon docteur est venu hier. Il veut plus que je mange du sucre, que je fume et que je boive. Ça ne dérange pas s'il boit un verre? C'est là. Je suis sur les nerfs. Je tiens à tout avec les cachets que je prends. Jean-Paul, venez nous soir pour dormir.
deux le matin pour me réveiller. Deux à midi pour avoir faim. Après, je vais prendre deux autres pour digérer. Après, j'en prends deux autres pour mes guides parce que je mange deux fois plus de ce que je peux pour avoir faim. De là, j'en prends deux autres pour reprendre des forces puisque je deviens trop faible à cause de ce que je prends pour mes guides. En fait, heureusement que la maison m'a fait des projets pour la croissance. Et tu t'y retrouves dans toutes tes pilules. Oh, et regarde, dans toutes les pilules différentes. Ah. Et ces pilules-là, c'est pourquoi? Ah, celle-là. Ça, c'est un supplément. C'est pour me garder mes nerfs. Et si j'en ai trop, c'est à cause de toi. Tu t'as gagné, oui. Eh bien, on prend encore deux parce que c'est un problème. Notre amitié ne vous va pas remplir. Oh, non. Allez, 30 000. Je ferai juste par amitié. Je ferai plus de fait pour mon rien. Non. C'est bon. Ça m'a plu. J'aurais voulu. Qu'est-ce que j'aurais voulu, Saint? Qu'on me foute la paix, oui. Mais je m'en doutais, mais pour me dire quoi?
partout que vous êtes venu, n'avez plus le contrat journal. Voilà, voilà, c'est un plaisir de vous connaître. Je vous laisse parce que je sais qu'il y a plein de choses que vous pouvez apporter à la retraite. Tu m'as toujours épuisé. Il a fallu mon amitié pour toi sans limite, c'est tout. Je passe.
charge de tout ça. Tu penses qu'on peut vivre dans une galère ainsi, dans bien comme des autres? Tu penses qu'on vit tout seul, c'est pour le faire? Tu dois jamais me rappeler le contraire. On est tous dans le même bateau, mon ami, et on doit ramener dans le même sens. J'hésite à m'en rendre compte. Tu ne manques jamais de me le rappeler. Oui, parce que je suis toujours là à croquer, toujours là à prendre deux mots. Il y a des fois, tu me donnes envie de pleurer. Ça va, c'est bon. Tu ne te fais pas dans ces états-là. Je te les ai quand même donné, hein, des sous. Ah oui, en régiment, en fait. J'en veux plus de telles déceptions. Je me vois à 10 ans là, sur le terrain tout bas, avec nos fameuses bleues et blanches. Et nos grands champs, je sais. C'était il y a longtemps, même ça. Et depuis, on a grandi. C'était il y a longtemps, et je ne vais pas dans tous ces états-là. Hein. Non, mais moi je suis resté un petit gamin, quoi. Déjà que j'ai à ce moment-là, quand on jouait au foot, t'avais la balle, tu voulais même pas m'abandonner. Faut croire que j'étais plus dur à ce moment-là. Faut croire qu'avec le temps, on ramollit comme les culs des purs. L'amitié pour toi, ça va me tromper. Qu'est-ce que tu vas penser, l'amour? J'ai toujours même plus cru qu'à l'amour, qui est beaucoup plus compliqué. Ah bon? Et c'est pas donc à la préfecture. Je me suis longtemps demandé. Et puis je me suis renseigné et j'ai appris que c'était un muscle. Bien sûr, mais voilà qu'il ne pompe plus trop bien, alors je me méfie. Moi, je ne suis pas malade. Et c'est le mieux que je prends. Reste un cocktail. J'en prends deux. C'est ta faute. Oui, moi tu es hors de moi, tu m'entends? Oui, c'est le mot hors de moi. Et tu te trouves comment, une en dehors? Mais en dehors de toi, tu me dis que je t'ai mis en dehors de toi. On a si peu l'occasion de sortir. Quand tu te regardes, tu te souviens? Ben, je l'ai cru pendant longtemps. Et puis je me suis rendu compte que j'étais comme tout le monde, un sans-cœur. Je me suis rendu compte que ce que je croyais être de la générosité, c'était juste une envie qu'on me foute la paix plus vite. Mais toi qui es tout le monde, toi qui es cœur serein, mais j'ai mal au cœur tous les jours, t'entends? Oh! Et t'as pas de pilule à prendre tout cela. Ça fait plaisir de plonger comme ça sans arrêt. Mais tous les jours, tous les jours! Vas-y. Bonjour, Anna. Johanna. Mais oui, Johanna, ma cinquième femme, enfin, David, grâce à toi. Tu vas te marier avec Johanna? Ben oui, je ne t'ai rien dit. C'est une petite femme d'une grande sensibilité, tu sais. Ah, rien, mais on ne faisait pas. Ben, ne le fais pas croire. Tu vois, c'est ce que je te dis, ton égard égoïste. Tu n'as jamais pris la peine de l'écouter. 5 minutes. Elle a un peu de cette malheur dans sa vie. Et même toi, tu prendrais une fois, 5 minutes, le temps de l'écouter. Je pense que même toi, tu pleurerais. Je m'en fous si tu te fourrages pour venir ma vie à la fin pour toujours. Tu dis, si la langue est éternelle, tu l'as déjà constaté 3 fois. Et puis, on a toujours bien assez de courage pour supporter le malheur des autres. Hein. Mon ami, pourquoi a été au-delà de tous tes sarcasmes? Un jour, tu ne te rendras pas compte toi-même. Tu t'étonneras même, toi, de l'amitié que j'ai pour toi. Et là, je te dirai, tu n'as jamais compris l'amitié que j'ai pour toi. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit beaucoup trop étroit. Mais j'ai pas oublié
En attendant, si tu le voulais, je vais me faire couler un café voir
différence hein, entre ton mur et le mien. C'est juste un truc qui t'empêche de communiquer. Mais c'est tout le contraire, justement. Le mien sert à communiquer. C'est bien, ça passe dans les choses. Mais tu exposes juste une mentale qui empêche les autres de savoir ce que tu ressens. Et qui, pour le moment, met un terme à notre conversation. Ah, je te laisse communiquer. Vous parlez. Te voilà encore. Si je comprends bien, c'est pas encore aujourd'hui que je vais vous réfléchir. Quel mauvais vent t'amène? C'est vraiment, je ne demandais pas. Alors, ne pas vivre ce que peut faire un petit. Coucou. Avant la vie des coucou. C'est drôle, qu'est-ce que c'est drôle à y aller. Et là t'attends, tu fais la tête. Et moi j'ai envie de rigoler. C'est de l'alcool qui monte dans ma tête. Tout l'alcool que des prières froides, afin de priver le coin, de t'avouer que vent est marre de toi, et ne périra pas de ton esprit qui est en rage et qui m'enlève l'espoir. Bon, merci, bon, merci, bon, merci. Maintenant tu le fais, parfois vous êtes étranglé. Dieu sait le passant de la salle. Tu te laisses aller, tu te laisses aller. Ah, j'ai beau rien, je ne suis pas sûr que depuis hier, tu t'es lavé, tu t'es changé. Le même pays noir tout l'hiver. Je me demande, voulez-vous? Comment tu as fait pour y faire? Comment tu as pu lui faire la vie et l'aliéner sa vie entière? Comme ça, que pour la conquête, y'a rien à se dire. Dans mes amis, quelques instants, tu me contredis, tu n'as pas le sens. Avec ton vrai d'âme, tu ferais battre les montagnes. Et la vie m'en décroche à la ne voudrait pas m'en foncer. Si tu t'es, ça serait trop. Tu te laisses aller. Tu te laisses aller. Tu es une petite, gentille. Tu n'as pas peur, et pas d'âme, pourtant. Pourtant, je pense que malgré tout, tu n'es pas un âme. Si tu voulais faire un effort, tout pourrait reprendre sa place. Pour maigrir. Ça fait le sport. Un long froid de voix de glace. Un trop fort soulignant. Il balance le mur en bas des portes. Au lieu de penser quelques vitesses et de la frise comme la tête, essaye de te montrer gentil. C'est le moins pour ta petite fille quand toi qu'a donné tant de temps. Et parfois, comme par le passé, j'aimerais le faire. Remets-leur mon bonjour, c'est déjà une connaissance.
jamais, hein, parce que Mémé, c'est vraiment bien, c'est mal poli. Bonjour, grand-mère. Tu sais, il n'y a plus personne qui dit grand-mère maintenant. Tu devrais vivre un peu avec ton temps. Tu m'as dit qu'elle est fondée de me parler ainsi. Ben quoi? C'est ce que je pense. Ben justement, quand on est bien élevé, on n'est pas toujours ce qu'on pense. Tu la laisses parler comme ça? Enfin, Thomas, vous devez tomber drôle hein, d'entendre des contes pareils. Ça se fait qu'aujourd'hui, de l'avoir d'autres occasions de tomber trop. Ah! Me voulez-vous dire, Franca? Bon, ça fait partie des choses qu'on pense, mais n'oublie pas. Tu la laisses dire. Chère belle-mère, je ne me suis jamais mêlée des commentaires que vous faites. À ma fille. Mais je dois dire que cette façon de toujours les reprendre comme ça ne me convient pas. Un obstacle que vous laissez entre elle et qui pourrait faire vaciller l'éducation et l'unité de notre famille. Et pour lequel j'ai toujours tout sacrifié. Coûte que coûte. Ma petite femme est une femme sans aucun reproche. Papa, je pense que c'est mieux qu'on aille faire un tour en attendant maman.
Bonjour les filles. Bonjour la grand-mère. C'est belle. Il y a bien longtemps que je n'avais pas mis les pieds de ce côté-ci d'appartement. Et je vois que rien n'a changé, rien n'a bougé. Bon maman, puisqu'on est tous là, qui te le dit ça, je te prends le tout. Oui, bah, je vous dirai ça quand votre père sera là. Et où est-ce qu'il est d'abord? Il est allé se laver. Ne me dis pas merci.
C'est pas pour te faire plaisir que je dis ça. Qu'on en finisse au plus vite et que chacun gagne le bout de son mur. Le docteur Aiguillère, il m'a trouvé trop de tension. Les disputes, les mariages, le tabac, l'alcool et le sucre me sont interdits. Les partus et tous aguets. Bon, pas quand même une chute pour me calmer, quoi qu'on fasse dedans. L'infarctus, ben c'est l'excuse à la mode, ça, maintenant. Eh bien, moi aussi, figure-toi, j'ai vu le docteur hier. Et à moi, hein, elle est comme un cancer. C'est autre chose que ton diabète, ça, hein. Le cancer. Le cancer de la langue va suivre, on va découvrir le cas du mal de tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire à l'infarctus? Ça n'a même pas de cœur. Et un cancer de quoi d'abord? Ah ben je sais pas. On ne m'a pas dit. J'étais tellement soufflée que je n'ai même pas pensé à lui demander, moi. Oh, on en dit beaucoup que tu sais des cancers maintenant. Mais pas hier. Docteur m'a dit pour moi, il n'y avait pas de traitement. C'était trop tard. Eh bien, le diabète non plus, on ne m'en guérit pas. Tu le traînes pendant toute ta vie et ça te fatigue. Ça te fatigue. Je vais te dire, moi, ce qui te fatigue. C'est tous ceux qui viennent te brimer de l'argent. Que je vois quand je vois que ton ami est encore venu te taper 25 000 euros et tu ne laisseras rien derrière toi. Depuis qu'on met chacun de notre côté de notre mur, on te suit toute ta balle. Ah ah, mais ça, c'est vrai que ton temps. Excuse-moi mon égard, je te regarde, on ne le suçait pas tant. Mais la honte! Dans ce moment pareil, et de voir les enfants de faire un aussi bel jeu de mots! Si, mais j'avais envie de le faire. De toute façon, je m'en fiche de ce que tu laisseras derrière toi. Puisque de toute façon, je serai plus là. Je serai parti avant toi. Le docteur m'a dit que j'en avais plus pour 3 jours. Ah ah. Et il t'a dit ça quand? Hier. Il me dit que je n'en ai plus pour 2 jours. Ça te fracasse? Ben non, hein. Vous savez qu'il y a du cœur, une force entière, ils vont même plus tripettes. Et c'est pas mal, d'abord. Ah, le docteur me dit oui. C'est que je lui demande un certificat. Oh, de complaisance, bien sûr. Ils ont le certificat facile, moi, les médecins. Hein? Qu'est-ce qu'ils feraient pas pour garder leur clientèle? Une consultation, ah, de l'argent dans la poche, ils viennent pire que les socialistes. Et si mon cœur claque et que je meurs avant toi? Eh bien, je ne serai pas veuve. Un jour. Je te bloque. Tout le monde a ses bras en main. Mais j'aurai du respect pour ta mémoire, frère. J'honorerai ta mémoire, oui. Tu pourras au moins emporter cette certitude-là dans ta tombe. Oh. Eh bien, tu me vois tout minage. Je vais déjà beaucoup mieux. Je suis presque guéri. Qu'est-ce que t'as? C'est mon pied. Il n'a pas du tout d'ordre. Papa, arrête tes couillonnades. Maman vient nous annoncer qu'elle va mourir dans 2 jours. Il faut encore que tu fasses le con. Tu ne te rends pas compte qu'il ne te reste que 48 heures pour être quelqu'un bien et enfin montrer qui tu es? Mais vous savez bien que votre père s'est toujours vanté de jamais rien prendre au sérieux. Hein? De te rendre plus grand des malheurs, une couillonnade lui suffit. J'ai pas été femme heureuse. Oh, mais moi non plus. Elle est grande. Mais après les comptes, vous le savez tous, hein, qui je suis. Tout comme moi, je sais qui vous êtes. Et vous, voilà, hein, je suis sûr qu'une fois que vous serez sortis d'ici, eh bien, vous penserez bien plus à vos 25 000 euros qu'à vos pauvres parents qui vont faire leur dernier guet. À ce sujet-là, je voudrais juste savoir si vous avez déjà pris des dispositions pour votre héritage. Vous savez déjà ce que vous allez nous laisser après votre mort? Des regrets, je suppose. Si je comprends bien, vous êtes déjà en train de demander des comptes aux morts? Mais oui, mais je m'occupe de votre vivant. Les morts vont y penser chacun de leur côté de leur mieux quand les vivants seront partis. En fait, bon. En attendant, ça nous aura quand même permis de nous revoir tous une fois, ensemble. Les familles sont si dispersées de nos jours. Bon, mais si vous n'avez plus aucune nouvelle à nous annoncer, moi, je m'en fous. Parce que je vais parler à la divorce organisée. Je vous laisse là. Salut tout le monde. Bon, je m'en remercie.
parce que je t'ai demandé le sujet de Thomas. Et comme c'est samedi matin que je pars à la mer, ça serait bien que tu t'arranges pour me voir samedi après-midi. Parce que pour toi, si t'attends dimanche, bon, ce sera trop tard. C'est des murs qu'on construit petit à petit, tout au long de notre vie.
qu'il faut qu'on s'isole de tout et de tout le monde. Les premières années de notre mariage. On était heureux. Comme tous les jeunes couples. J'achetais et je vendais mes joueurs. Je m'occupais de ma maison. Je commençais à avoir du succès. Je sortais avec les amis. Les joueurs jouaient dans les plus grands clubs européens. On a eu 3 enfants. J'étais de plus en plus souvent absent. J'étais de plus en plus seule. Attiré par l'argent, les paillettes. Je m'ennuyais à mourir. L'argent rentrait de partout. Les enfants m'emmerdaient. J'ai eu des maîtresses. J'ai eu des amants. Je suis sûr qu'elles s'en doutaient. Ils ne semblent pas le voir. Et puis un jour. Puis un soir. Je suis rentré à l'improviste. J'étais au restaurant avec Pierre. Je l'ai attendu. Je suis rentrée tard. J'ai bu toute une bouteille de Pékin. J'étais complètement entourée. Je me suis endormie dans le fauteuil. Je suis allée au lit. Et je ne l'ai pas entendu rentrer. J'ai pas vu qu'il était là. J'ai dormi là toute la nuit. Je me suis levée tard. Au matin. Et à midi. Quand j'ai ouvert les yeux. Quand j'ai eu... Tu sais. Je l'ai vu. Il était là. Le mur. Elle l'avait monté pendant la nuit. Il avait construit au matin. Elle ne voulait plus me voir. Il ne voulait plus me parler. J'ai eu la haine. J'ai eu la rage. J'ai respecté son choix. Je suis restée toute seule. Et depuis, on vit comme ça. Derrière notre mur. Vous voulez quelque chose? Oui, Joanna. Dites-moi quoi? À vous. Vrai. Il y a des gens qui expliquent différents.
fera changer toutes les femmes de bal. Dites-lui qu'on s'en fout. Plusieurs questions nous ont emmerdés alors que c'est notre dernier jour ensemble. Oh, sûrement Thomas. Lucie m'a demandé de m'annoncer que vous allez quitter et qu'il est conclu. Tout de même une bonne nouvelle. Eh bien, Johanna, allez ouvrir donc. Tout de suite, madame. Dis, comment est-ce que tu comptes annoncer ça? J'en sais rien, hein. Ça m'emmerde quand même de pas faire ça aujourd'hui. Mais tu sais, dans ton cas, il ne faut plus porter au lendemain. Allez, on a dit qu'on ne parlait plus de tout ça. On a juste laissé quelques briques là pour s'en souvenir et ne jamais l'oublier. Ne plus jamais en parler jusqu'à la fin de notre vie. Mais ça va être plus facile pour toi que pour moi. Bon, eh bien, pendant que tu annonces la bouteille au cocu, moi, je vais me faire beau pour ton dernier souper. Fais-toi beau pour moi, mon amour. Oui, ma chérie. Mon pauvre Thomas. Mon cher Thomas. Nous sommes amis. Madame, c'est pas le temps qu'il s'est sorti. Allez, maman, fais ton bras.
ma bière en pensant à la tienne. Je crois que Marat, tu m'entends, ton tennis, et
je n'ai que très peu de temps en ce moment. Oui, mais asseyez-vous quand même, ce sera mieux. Assis. Je vous assure, cher Prémère, que je ne trouve pas ça drôle. Ce n'est pas drôle pour le moment, je m'accorde. Mais attendez-vous quelques minutes, je vous assure que j'allais trouver ça comique. Mais si, vous allez voir. Je vous assure qu'on m'attend au tennis et que je n'ai que le samedi soir pour faire un peu de sport. Mais vous allez en avoir du sport. Attendez un peu. Allez, laissez-vous aller. Tout tendu, là. Thomas, il faut que je vous dise. 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 Lucie s'emmerde avec vous. Mais vous en faites ces mots. Je ne vous permets pas de dire ça. Lucie est une petite femme d'une sensibilité exceptionnelle et qui a de la peine pour un rien. Voilà. Notre amour est une grande profondeur et leur apporte. D'une grande rareté. D'une grande rareté. Lucie est la gardienne de la famille. Et son rôle est de me rendre la vie la plus facile possible. Quand je rentre le soir après une rude journée de travail. C'est une femme forte, admirable. Et qui a fortement bien compris ça. Et c'est pour ça qu'elle est aussi bien dans sa peau. Et moi aussi. Les femmes, elles, maman, ont besoin de certitude. Et de fermeté. Maintenant, excusez-moi, pleinement, mais mes camarades m'attendent au tennis, mon match est à 3 heures. Je n'ai pas fini, Thomas, je n'ai pas fini, asseyez-vous. 5 minutes, pas une de plus. Parce que je ne voudrais pas perdre cette poule. Poule, terme utilisé dans le sport et qui peut dire match ou tourment. Oui, j'avais bien compris, mais je me demandais de quelle poule vous parliez, de quelle poule vous avez. Ben voilà, parce que Thomas, votre poule, mais vous l'avez déjà perdue. Pas celle du tennis, mais l'autre. Je ma fille en avant. Chère belle-mère, je vous assure que je ne vous trouve pas drôle avec vos plaques à 2 balles. Je sais, mais c'est la vérité. Lucie veut changer de vie, elle m'a chargé de vous annoncer, voilà. Impossible. Pourquoi? Ma femme m'adore. Mais non. Ma femme me... Je vous aime à force, hein. Mais vous allez le voir, Thomas. Ah, si vous l'avez dit. Pourquoi est-ce qu'elle aurait un amant? Je lui ai tout donné. Mon nom, le confort, un enfant et mon estime. Elle sait qu'elle peut compter sur moi. Je suis là. Mais c'est ça, le but. Je ne comprends pas. Vous êtes là, justement. Thomas, vous connaissez un certain Antonio? Antonio? C'est mon camarade du tennis. Pourquoi? Et il fait la poule avec vous cet après-midi. Non, il est en voyage d'affaires. Mais de toute façon, c'est pas un bon joueur et il n'aurait jamais gagné cette poule là. ne me tentez pas, parce que j'ai vraiment envie de faire un mauvais jeu de mots. Mais enfin, comment vous dire, voilà, Lucie, elle aime votre ami Antonio, elle veut divorcer pour refaire sa vie avec vous. J'ai chaud. J'ai les fonds, on ne divorce pas. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Il y a des explications qui ne sont pas bonnes à voir, chère belle-mère. J'ai les fonds, on ne se dit rien et on y répond par le silence. Je vous salue, belle maman. C'est une question de principe. Je vous salue en m'attendant au tennis. Et vous ne restez pas. Ma place ne sera plus auprès de vous que lorsque Lucie aura compris que je suis l'homme de sa vie. À bon entendeur. Eh bien, ma chérie, je l'avais un peu sous-estimé, celui-là. Il est plus fort que je ne pensais. Non, mais là, il a ses certitudes. Hein. Il m'a tout ça, vous restez. Oui, j'espère quand même qu'il va gagner sa poule, mais il faut l'avoir perdu l'autre. Je me prie qu'il se rappelle un moment de lui.
dit ça, ma pauvre chérie, je pense qu'on ne sera que nous deux pour ton souper d'adieu. Tu veux qu'on annule et qu'on aille au resto? Non. Tu sais quoi? On laisse la table comme elle est, comme s'ils étaient là. Comme ça, eh bien, ça dévendrait quand même un peu présent. Tu n'as pas peur que ça fasse un peu sinistre? Oh, dis non, je compte sur toi pour me faire rire. Il y a juste une chose, en fait. Johanna n'est pas là pour faire le service. Je m'occupe de tout. Va t'apprêter, tu seras servie comme une reine. Scott! Maman chérie!
Maman, je suis super content. Alcoolisé, très alcoolisé. Oh. As-tu apprécié le paradise? Oh Léon, c'était d'enfer. Avons-nous pour la suite des menus? Un délicieux potage. Délicieux potage d'herbes folles et une racine de pissenlit. Du vin blanc avec le potage, bien sûr, bien sûr. Délicieux. Même procédure que pour l'apéritif. Bien sûr, bien sûr. Alors, on est d'accord. Attends,
Combiesse. Mais quelle belle humeur et quelle belle présence sur scène et dans les coulisses. Merci à toi, Bénédicte Pierret. Alors, pour la première fois sur scène, on peut lui tirer la révérence pour sa très bonne interprétation du caporal Von Recht. Bravo à Elias. On le met dehors par la porte, il revient bribé par la fenêtre. Bravo pour sa prestation dans le rôle de Didier. Il ne manquait plus que le grand short et la vareuse blanche et bleue. Bravo Christophe. Il fait vraiment partie de la maison et il a fort à faire avec ses deux patients Léon et Ginette. Bravo pour son excellent jeu dans le rôle du médecin de famille Emmanuel Neuville. Spectacle sans spectateur. Tout grand merci à vous, cher public.